Nathanaël Rochat, bonjour. Bonjour. Cette semaine, qu'est-ce que vous avez retenu de l'actualité ? Alors aujourd'hui, Michel, je vais vous parler de Guy Parmelin et de l'armée de l'air. Hein. Je précise que je ne suis pas contre l'armée, j'ai fait mon armée, donc quelques petits séjours au clou. J'étais même caporal, hein. Ça me fait un point commun avec Guy Parmelin ou Adolf Hitler. Je ne suis pas contre l'armée, mais la patrouille suisse des Pilatus, vous avez vu ce qu'ils ont fait à Saint-Maurice vendredi dans le cadre des championnats du monde de ski. Déjà, je ne connais pas l'utilité de la patrouille aérienne. Hein. Ça s'approche d'une espèce de parade comme les animaux en rut. Mais vous avez vu ce qu'ils ont fait. Donc vendredi, j'attendais la deuxième manche du slalom tranquille devant ma télé. Et j'entends Fabrice Jaton des sports annoncer le départ est retardé. Je me dis quoi, encore du brouillard? Non, j'apprends que c'est à cause de Pilatus de l'armée qui ont bousillé des installations et sentir un coup de feu à main nue en mode bonsaï, les gars. Hein. Tout ce qu'ils devaient faire, la patrouille suisse, tout ce qu'on leur a demandé, c'était deux passages à la mi-temps du slalom géant. Mais non, ils ont réussi à casser une caméra et bloquer un télésiège. C'est l'inspecteur Clouseau, les gars. Avant, l'armée de l'air se contentait de bousiller ses propres trucs, mais là, ils sont tellement nuls que ça déborde sur des remontées mécaniques. Et c'est censé être nos meilleurs pilotes. Oh, mais on a été attaqué par un câble. Ils se marchent sur les lacets, les mecs. Hein. Les pilotes militaires, ils ont un problème avec les câbles et les montagnes. J'aimerais pas voir une guerre, parce que s'ils sont déjà en difficulté contre des trucs qui bougent pas et qui tirent pas, on est mal barré. Hein. Déjà, sans ennemis, on essuie des pertes considérables. Alors l'armée, c'est comme des gamins. Tu les laisses deux minutes, ils te font une connerie. Hein. Il y en a pour 200 000 balles de dégâts. Pour l'armée, c'est une bonne nouvelle par rapport à ce qu'ils ont gaspillé en 2016. Là, des millions pour un système électronique de téléguidé des troupes à distance qui fonctionne pas. L'état-major, il se voyait déjà en mode Napoléon avec un iPad là. Oh, ça marche pas, des millions. Alors bien entendu, vendredi, l'armée a fait un communiqué de presse. Ils se sont dit, on n'a pas encore l'air assez bête. Le porte-parole de l'armée, un porte-parole, c'est son métier, la communication. Le porte-parole de l'armée a dit qu'ils ouvraient une enquête pour déterminer si les Pilatus volaient trop bas. Je suis pas expert forensique, mais à partir du moment où un avion touche des installations au sol, je pense qu'il n'y a pas besoin de déranger la commission Warren. Il veut savoir ce qui s'est passé. Moi, je sais, je peux vous lire. Hein. Comme d'habitude, ces couillons de pilotes, ils ont voulu passer très près pour qu'on voie leur Ray-Ban. Les gars, ils baronnent à longueur d'année, ils se regardent Top Gun en boucle. On me dit, oh, tu peux pas dire ça, ils nous protègent. Ah ouais, en faisant des loopings avec de la fumée blanche, ça nous protège comment? En hypnotisant l'ennemi? Alors évidemment, le chef Parmelin, il est pas là. Hein. Il est en Allemagne à la conférence internationale sur la sécurité. Parce qu'en Suisse, on a tout misé la sécurité nationale sur un vigneron de la côte. Hein. Notre stratège, c'est Fariné Ben Gourion. Mais même pour le pinard, je lui fais pas complètement confiance. Et on lui file des tanks, au mec. Hein. Bon, son pinot va très bien, c'est pas la question. J'aime bien une sangria de temps en temps. Mais notre système de politicien de milice a quand même atteint ses limites. Quand t'as un Johann Schneidermann qui devient ministre, je veux dire, le gars, il a le charisme de Droupi. À un moment donné, il était tellement mou, Schneiderman, que le bruit courait qu'il avait peut-être fait un AVC. Donc, je veux dire, c'est assez symptomatique. Même chose pour Parmelin. Au point de vue des capacités intellectuelles, ils sont embutés, les gars. Ils devraient se rendre compte. Oh, comment puis-je servir mon pays? Je sais pas, une retraite anticipée. Cette semaine, Guy Parmelin a fait son programme d'armement. Vous avez vu ses propositions? D'abord, il veut des crédits pour prolonger la durée de vie des F-18. Enfin, ceux qui restent, parce qu'au train où il les bousille, on dirait des moustiques sur un pare-brise pour finir. Je veux dire. Si tu veux prolonger la durée de vie des F-18, tu leur interdis de voler. Hein, je veux dire. Moi, j'ai eu l'idée tout seul, hein, pas besoin de... Enfin, sa dernière trouvaille à Parmelin, vous avez vu, il veut armer les F-18 avec des bombes. Comme s'ils n'étaient pas assez dangereux, déjà. Je sais pas, il trouve ses idées. Il descend dans son carnot de sel pour l'inspiration, je veux dire. Des bombes, moi, il y a tout de suite une question qui me vient en tête. Parce que sachant qu'on est un pays neutre qui ne combat que sur son propre territoire, est-ce que c'est vraiment une bonne idée de prévoir de bombarder nous-mêmes? Faut dire stop maintenant, quoi. Sinon, il va s'enflammer, le gars. Il va vouloir tuner les vélos de l'armée avec des lance-roquettes, je veux dire. Bon, à sa décharge, Parmelin, il s'inscrit dans la lignée de prédécesseurs visionnaires. C'est Uli Maurer qui lui a appris le job. C'est comme si t'as un chien d'avalanche qui enseigne l'équitation à un cul-de-jatte. Tu veux dire. Ils ont refilé le département de l'armée à Parmelin en se disant qu'il pouvait pas faire pire qu'Uli Maurer. Le problème, c'est qu'il est en train de relever le défi.